Bonjour Dany. Bon, alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on récolte aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 17 septembre 2018 et on a des conditions particulières qui font qu'on récolte. D'abord, je travaille en biodynamie. Bon, ça a la caractéristique de travailler avec le cosmos. Donc, on travaille avec les constellations et ça fait plusieurs années qu'on fait ça suite à des lectures que j'ai eues et qui sont fort intéressantes. Et il faut savoir qu'on travaille avec quatre cycles qui sont soit les jours hauts, les jours fleurs, les jours chaleur et les jours racines. Alors les jours racines, bien, ce sont les jours où par exemple on va récolter un essaim dans la nature, on prend l'essaim, on le met à l'intérieur d'une ruche, mais on voudrait que cet essaim, ben, on va lui mettre des cadres, mais on voudrait que les cadres se développent rapidement. Donc pour qu'il se soit étiré plus rapidement, on va ouvrir, on va mettre par exemple, peu importe le jour où on va récolter, mais le jour où on va passer au premier jour racine, la racine c'est la base pour nous, c'est les chakras aussi. Pour ceux qui connaissent ça, les chakras racines, c'est le début, c'est le commencement, c'est la base. Donc on ouvre quelques minutes et ces quelques minutes-là font que quand on a retiré le capot, l'énergie cosmique va rentrer à l'intérieur de la ruche. On fait ça pendant 2-3 minutes, plus si on veut, 4-5, mais on referme après la ruche. Et effectivement, c'est des observations qui ont été faites par Madame Kuhn, et pendant de longues années, et ça a permis de classer les jours et de pouvoir mettre en place ce calendrier de biodynamie. Alors ça, les jours racines, c'est pour développer, donc on a dit, l'étirage des abeilles, etc. Après ça, lorsqu'on va passer dans les jours fleurs, donc les jours fleurs, c'est là où la reine va développer ses pontes. Donc on va augmenter son cheptel en fait, et on procède exactement la même chose, on ouvre au moment du jour fleur, etc. Et comme on suit les signes du zodiaque, tout se suit. Et après ça, si on veut par exemple une bonne récolte de miel, on observe, ben, l'acacia, là ça y est, il va sortir, il est là, hop, on va dans nos ruches, on retire le capot, et les miellets d'acacia, en fait, au lieu de donner 20 kg de miel, vous allez en faire 25 ou etc. Et tout est multiplié du fait de cette ouverture en biodynamie. Le seul jour où on ne va pas dans les ruches, ce sont les jours feuilles, les jours hauts. Ces jours-là, les abeilles sont beaucoup plus agressives et on ne va pas dans les ruches et tout. Elles font ce qu'elles veulent et on ne s'en occupe pas. Alors aujourd'hui, on a une configuration qui est très particulière, le 17, parce que déjà, par rapport au livre, au calendrier qui va être filmé après et au livre, le 18, on est le 18, on est en plein jour racine aujourd'hui, ce qui est vraiment excellent, et ça c'est une très bonne chose. Et une autre chose qui est aussi très importante que j'attendais la fin du parcours de la constellation du lion qui passait devant Mercure. Et en fait, cette constellation qui dure déjà depuis 15 jours fait qu'on a été énormément dopé au niveau de la récolte. Voilà, c'était ça que je voulais présenter déjà pour la biodynamie. Tu vois, et en haut, regarde-moi. 18 mardi, oui. Oui, voilà, si tu remontes, oui.
on s'aperçoit ici oui. que donc tu as la constellation du lion oui. qui est devant en rose. Oui, oui. Et la constellation, tu vois, on et voit alors on la gros, descend jusqu'au voilà, 18. Et ça se termine après. Voilà. Et ça se termine le 18. Ça. Ah, ça se termine le 18, oui, voilà. D'accord, vu ça. C'est qui, donc t'as Mercure. Là, on a bien Mercure qui est ici. Oui. Voilà, et comme ça, on peut rejoindre en lisant le tableau que Mercure est bien devant le lion. Et maintenant. Tu vois, là, on a observé que devant Mercure, quand Mercure se trouvait devant le lion, le Sagittaire et le Bélier, oui. on a des périodes de miellée qui sont beaucoup plus fortes. D'accord. Voilà, ce qui fait que la raison qu'on attendait, ou que j'attendais la fin de ce jour-là. On y va, on va là-bas ? Oui. Eh bien, quand tu étais là à l'époque, il y en avait 24. Aujourd'hui, il reste en actif 4. Ah ouais, j'ai ouvert la saison avec 4 ruches. Donc, tu as perdu en pourcentage combien d'abeilles ? Eh bien, tu regardes, hein, je suis passé en 3 ans de 24 ruches à 4 ruches. Oh là là là. Voilà. Ah, faut pas oublier de dire merci. À qui ? À qui faut dire merci ? Au glyphosate, mon pauvre. Ouais, oui. Il le passe dans les champs à côté, là. Je me suis engueulé avec des gars parce qu'il passait bien. Enfin, avec une personne, je comprends pas. Mais je crois qu'on n'est pas encore tombé assez bas. Je ne sais pas si on... Hein ? Je sais pas ce que ça donnerait quand on sera tombé. On ne sait pas. Et moi, en tout cas, si tout le monde pouvait préserver et avoir une ruche chez lui, franchement, ça serait merveilleux. Ça, voilà, ça suffit, pas plus. Là, elles vont aller dire attention. Ils arrivent. Non, attention, il y a du feu. Et elles vont aller protéger la reine. Tac. Voilà. Maintenant, ici, tu vas m'en glisser un petit peu. Tu vois ? Voilà. Essaye de rentrer quand même pour qu'il soit averti. Voilà. Merci. Voilà. Le but, c'est pas de les faire succomber à tout ça. Et là, je retire ma première rose. Ma première rose, je vais la mettre là. Ici. Ok. D'accord. D'accord. Voilà. Je les brosse doucement. Tu vois qu'elles ne sont pas operculées, ces abeilles-là. Et il y a du miel, mais je... Ça, après, tu vois, elles vont le reprendre, elles le ramèneront à la ruche pour faire leur travail d'hiver. Celle-là, non, je les mets, je leur remettrai après. Tu vois, quand je les mets sur les supports là-bas, ouais. Je leur remets et elles viennent le boire et le remettre dans les ruches. Parce qu'on est dans un jour, la configuration fait qu'on est dans un jour où elles sont calmes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on le ferait un jour haut. Elles vont pas être d'accord les mémères. Tu regardes. S'il y a une bonne réserve en bas. Tu regardes, voilà, tu les surveilles de temps en temps. Quand elles ont plus de place, elles veulent pas rester, hein, ça c'est clair. Hein. Donc là, elles avertissent. Au moins, il y en avoir une certaine quantité qui va descendre. Une autre qui reste parce qu'elle est toujours à faire son travail. C'est lourd, franchement c'est lourd. Oh là 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 là, le miel, regarde. Nos mémères... Là ça déborde. Ah ben là carrément, regarde. Là c'est beau. Hein. Mmh. Ah, ouais. Ouais. Ça donne envie. Ah ben oui. Gourmand, ouais. Essaye. Mmh. On sent plein de parfums différents là-bas. C'est ça que j'aime, moi. En fait, j'aime le miel mille fleurs. J'aime. Donc là, il y a toute la saison de fleurs. Alors là, on a tout. Les fleurs d'été, la bruyère.
Et puis les fleurs du marais surtout. On a énormément de chance. Le lieu fait que on est privilégié pour ça. Tiens, regarde le frelon asiatique là. Où? Là. Ah oui. Regarde, écrase-le avec ton pied là, t'as une botte là. Ouh. Il est là, là. Ici là. Ici là. Là. Ouais, vas-y. Ici, pose là. Ton pied là. Ouais. Frotte. Il est bon? Ouais. Tiens, tu le vois là? Il est là. Regarde là. Oh, c'est joli. Vas-y, monte là, la galette. Voilà. Ouais. Allez. Voilà. Même tu fasses deux partout, hein. Et mes mères. Ok. Ouais. Allez, je la rentre. T'as vu le poids que ça fait quand ouais, même. Ouais, c'est beau. Hein. Regarde le côté là. Allez. Très joli. Alors, là tu vois, elles ont dû descendre. Enfin, pas toutes. Ça, c'est la grille qui empêche la reine de pondre dans les. Ah oui, c'est une grille à reine. Ouais. Parce que là, comment te dire, là. Si on avait des. Là, on a des ruches qui s'appellent des ruches d'Adam. Si on avait des ruches Langstroth. Ouais. On ne met pas de grille à reine dans la ruche Langstroth parce qu'on récolte les côtés. L'endroit où ça doit être projeté. Voilà. Voilà, merci. Bon, et les mémères. Oh là là. On a quand même la. Lui retire sa grille à reine. Voilà. Ouais. Et tout de suite, je la ferme. D'accord. Tu vois qu'elle est pas. Qu'elle retrouve son calme. Okay. Là voilà. Ouais, la reine est dans le noir. Et est-ce qu'elle pourrait se sauver? Pardon? Est-ce qu'il pourrait se faire qu'elle se sauve? La reine, non. Non. Ouais, ouais. Moi, je pense, oui, autour 40 kilos la ruche. Ah, non, c'est magnifique, là. C'est beau, hein. Il est joli. Hop, 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 hop. Allez, encore une grosse bête. Ouais. Allez, les filles, hop. Hop, hop, hop. Que même Manu ouais. Bien, on a passé 3 semaines en Bretagne. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en plains pas. Hein. Et tout ça. Allez, on emmène le butin. C'est cool. Un peu galère la première, hein. Ouais, toujours, hein. Ça, c'est pour ça. Et tu sais pourquoi? Je vais te dire, et toujours. Mais en général, on nous fait serrer les cadres, ouais. Tu vois. Tu les serres comme ça tout au début, avant de poser. Enfin, si plutôt, dès que tu as posé ta hausse la première fois, ouais. Tu resserres tes cadres comme ça pour avoir un espace là et là. Elle le bouche après l'espace. Ouais. Et c'est cet espace-là, c'est plus facile après de retirer la première. Plutôt qu'une au moins une au milieu. Celle-ci. Elle passe directement en haut et qu'elle ne termine pas le bas. Par contre, si elle est toute place dans la rue, elle termine en plus. Alors tu les vois partir les essaims quand elles essaiment les. Bon, les on en a eu un hier de un mini essaim là. Tiens. Gros comme un mont-point. Ah oui. Parce que nous. On n'est pas dans des champs de colza où on fait 70 kilos ici. Ouais. C'est pas du tout le même genre de produit. Coucou les copains. Il va falloir passer vos commandes de miel parce que la récolte 2018 est savoureuse. Un très très beau miel, toute fleur.
Regarde ça. Regarde ça. Regardez cette beauté, c'est de toute beauté. C'est modernisé cette année puisqu'on a cette petite pièce qui nous sert de miellerie. Avant on le faisait dans notre cuisine, salon, salle à manger, chambre à coucher. Il y en a 6 là, il y en a 4 là. Mm-hmm. Donc là, je vais pouvoir commencer. Donc là, il faut que je tourne 3 minutes. Si tu fais un gros plan, tu peux voir le miel qui coule sur les parois. Pourquoi on leur laisse pas des hausses pour l'hiver? Ouais. Eh bien, on ne laisse pas de hausses en hiver sur une ruche parce que vous savez qu'elle chauffe la ruche pour pouvoir vivre. Et il faut qu'à l'intérieur de ma ruche, alors suivant les... c'est 28 degrés il me faut. Donc s'il fait moins 5 dehors, il me faut 28 à l'intérieur. Plus le volume va être gros, eh ben, moins on va pouvoir chauffer l'intérieur et plus les abeilles, enfin, en fait, on va tuer nos abeilles. Donc, il faut qu'on leur restreigne le volume dans lequel elles vivent. Donc, on ne met pas les hausses, voilà, c'est la raison pour laquelle on ne met pas les hausses pour les abeilles l'hiver. T'as tué un frelon? Oui. Voilà. Je mets suffisamment de violence quand je les frappe. C'est pour les couper avec les machines. Parce que si on les tape, elles rebondissent au sol et se barrent. Là, au moins, on est sûr que c'est coupé. Cette ruche-là, en fait, je l'ai soignée l'année dernière à l'Aquilée millefeuille. Avec quoi? De l'Aquilée millefeuille. C'est quoi ça? C'est une plante, quoi. Oui. Et je leur fais une décoction d'Aquilée millefeuille dans de l'eau et je leur mets dans le nourrisseur et elles le boivent. Et en fait, ça m'a soigné la ruche. Elle était malade, cette ruche, elle n'était pas bien. Et c'est un produit que tu fais pousser dans ton jardin, ça? Non, la Aquilée millefeuille, on la trouve chez un herboriste, hein. Il n'y a pas de problème. Et voilà, ça m'a sauvé ma ruche.